Il m'a cité des slogans tels que « No brain in balls »,« Un spermatozoïde, oui, un homme, non », ou encore « Gay weekend », « Épilation égale extermination », « God in my ass ». Il fallait que je me méfie, m'a-t-il dit, car ces hommes déshabillés s'étaient vus exposés aux sanctions applicables à l'exhibition sexuelle dans un lieu public. Ça peut mener loin, tu sais, surtout avec l'ampleur que prend le mouvement olympien. Au lycée, le règlement peut être remis en cause, ça te concerne. Sociologue de renom et ancien professeur de lettres, Claude Toilmec essaie un genre nouveau, le roman, et audacieusement se glisse ici dans la peau d'un homme confronté au basculement du paradigme des sexes, souhaitant signifier à tous, sans se départir d'un humour bienveillant, que les temps vont devoir changer. S'appuyant sur les avancées de la condition féminine, l'auteur livre un pastiche habile d'un certain best-seller pour imaginer à son tour la scène sociopolitique française d'aujourd'hui et de demain.